Virginie, mes mots, ça pourrait vous inspirer, Bruche, pour vos chansons? Oui, ça pourrait m'inspirer. Ce qui m'inspirerait plus, en fait, c'est l'histoire du peintre, en fait, plus que Bruges ou le musée. Voilà, vous avez un candidat pour aller voir l'expo, ça va peut-être vous inspirer, effectivement. Alors, pour l'heure, « À la lueur de nos ombres », c'est le titre de votre deuxième album, sorti en janvier dernier, que l'on pourra découvrir lors d'une grande soirée le 3 mai prochain, dont on va parler dans quelques instants avec vous. Un deuxième album tout aussi réussi que le premier. On va écouter un extrait, bien sûr, dans quelques instants. Et pourtant, au départ, vous n'étiez pas chanteur, vous étiez batteur. Comment s'est passé cette aventure justement du premier qui était assez acoustique? On va écouter la chanson intitulée Petit Bonhomme. Écoutez. Tous les super-héros sont aujourd'hui tes meilleurs copains. Et pour de vrai, Spider-Man ou Zorro ont mis leur puissance entre tes mains. Chut, c'est ton secret. T'as des super pouvoirs, on t'a vu voler dans les nuages, soulever des trains. Quand y'a de la bagarre, sans prendre un gnon, tu fais le ménage à 10 contre 1. Mais petit bonhomme, ne sois pas trop pressé de devenir un homme. Profite plutôt du temps, Mathéo comme trois pommes. L'insouciance n'est pas pour demain. Oh les mains, mais petit bonhomme, tant que les fées viendront danser dans ton royaume, ne les laisse pas filer, chasse les fantômes. Quant à demain, on verra bien. Alors, Mémo, on l'a vu donc avec cet extrait. Hein, le premier album était assez acoustique. Ici, vous avez voulu intégrer du piano, de la contrebasse. C'est pas un peu risqué, justement, de changer d'univers musical pour ceux qui attendaient, effectivement, votre deuxième album? Oui, ça peut l'être, mais en même temps, ça peut être aussi décevant pour ceux qui connaissent le premier album de repartir encore sur les mêmes couleurs. Et voilà, je pense que les gens peuvent se dire aussi, oh, bah, il a fait un deuxième album, c'est le même que le premier, quoi. Alors, un nouvel album pour lequel vous avez voulu une nouvelle équipe également? Oui, bah par la force des choses, parce que l'ancienne équipe justement acoustique, j'avais une accordéoniste à qui j'avais proposé de prendre des pianos et tout ça, mais elle voulait rester elle à l'accordéon, voilà. Le bassiste qui bossait avec moi à l'époque et lui était en tournée à cette période-là. Donc on s'est mis autour d'une table, on en a discuté et puis voilà, on s'est mis d'accord sur le fait que voilà, c'est pas, on n'est pas du tout parti fâché. Voilà. Simplement, j'aurais dit bon voilà, moi je veux changer d'univers, est-ce que vous me suivez ou pas? Est-ce que c'est possible pour vous? Et ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent et voilà, après j'ai contacté d'autres musiciens pour cette aventure. Et c'est un album de duo, hein, puisque vous avez souhaité faire intervenir plusieurs de vos amis du monde de la musique. Il y a Philippe Moreau des Mauvaises Langues, Jeff Kino, William Schott, Loïc Lantoine pour n'en citer que quelques-uns. On va les retrouver justement le 3 mai pour ce concert qui est donné au Splendid de Lillefib, la fête à Mémo. Comment ça s'est passé en fait? Vous avez écrit pour eux quand vous avez fait les chansons? Non du tout, en fait c'est en relisant les chansons et en écoutant un peu les répétitions. Il y avait des univers, on est dans des univers assez proches avec Jeff, les Mauvaises Langues, Loïc et tout ça. Et en relisant et en écoutant les chansons, je me suis dit tiens, mais j'aimerais bien inviter les copains moi sur mon album parce que bon, voilà, partager des moments comme ça d'écriture et de musique. Et donc je leur ai envoyé les textes avec des bouts de répétition en leur disant voilà, est-ce que ça, à chacun, en leur disant tiens, j'ai cette chanson, est-ce que ça te plairait? Je connais bien leur univers aussi parce que j'ai beaucoup travaillé avec Jeff, avec les Mauvaises Langues aussi. Loïc, j'écoute depuis très longtemps et puis j'ai eu la chance de le rencontrer, on a passé des très bons moments ensemble. Et donc, je leur ai proposé des chansons qui, à mes yeux, pouvaient leur convenir. Donc, ils ont écouté, puis bah, ils ont tous répondu présent, donc c'était super. Voilà, et ça donne ce magnifique album À la lueur de nos ombres, que vous pourrez découvrir donc le 3 mai au Splendid de Lillefib. Il y a également une autre date, le 8 juin, à Los Angeles. Et pour tout savoir, il y a votre site, memochanson.fr. Oui, c'est facile à retenir, allez-y. Donc, pour connaître le planning de vos tournées. Merci, Mémo, d'être venu nous en parler. Virginie, il y a d'autres sorties également ce week-end à découvrir avec vous. Exactement, on commence avec un mot de théâtre spécialement pour vous faire plaisir, Christine, puisque oui, vous adorez Jean-Louis Fournier. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Parce qu'il a beaucoup de talent, voilà, surtout. Mais tout à fait, on parle d'une pièce qui s'appelle Mon dernier cheveu noir, mise en scène par Anne Bourgeois, et d'un thème auquel nous serons toutes et tous confrontés un jour, enfin. Et on oui. l'espère, c'est la vieillesse. Notre chef.